jours, tu m'appelles pour me dire que Phineas et Ferb ont fabriqué un truc absolument incroyable. Et tous les jours, quand je rentre à la maison, je ne vois rien. Regarde, tu ne trouves pas ça fatigant? Parce que moi, ça m'épuise. Regarde, il n'y a toujours rien. D'accord, les garçons, je renonce. Il fait quoi, ce nouveau truc? Candice? Non mais Candice, où est-ce que tu vas comme ça? Ferb, où est-ce qu'elle va? Candice a été enlevée par des extraterrestres et emmenée sur une autre planète. Une fois qu'on aura traversé ce portail, on sera sur une planète extraterrestre. Bienvenue, ami extraterrestre. Un robot géant! Vite, donnons-lui pas fort! Ce n'est que norme! En général, il n'est pas méchant. Si on veut secourir Candice, il faut construire un vaisseau spatial. Mon voyageur galactique, Inator! Vous voulez dire un vaisseau spatial? Mais c'est un Inator, c'est toute la différence. C'est une marque, laisse-moi tranquille. Alors, tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? On doit traverser une barrière ionique? Oui, et alors? Alors, toute l'électronique à bord va griller et on échouera dans l'espace! Ok, c'est quelque chose que j'ignorais complètement. Il faut trouver l'endroit où ils retiennent Candice. Accrochez-vous! Je sais ce qu'on va faire aujourd'hui! C'est moi face à l'univers!